En deux plans, l'introduction de The Eyes of My Mother met la barre haute. Plan fixe, mais en mouvement, entrée en matière féroce, du son, durée du plan proportionnelle à la naissance d'une intrigue, un noir et blanc qui préfigure l'absence, notamment celle de la couleur, et enfin ce plan sublime, aérien comme pas possible, une contre-plongée à la géométrie extrêmement brutale, qui se substitue in extremis à l'esthétique New Age d'un Google Earth, et semble vouloir dire autre chose. Malheureusement, il n'en est rien. Malgré la radicalité proposée dans cette introduction, ce potage tourne vite à vide. Le film est une vaine tentative d'intellectualiser la violence, de prétendre rationaliser le dégoût, et de vouloir plaquer des mécanismes identifiables du cinéma sur une cruelle absence de réel projet esthétique. Par exemple, durée insoutenable des plans pour filmer l'insoutenable, prépondérance des plans fixes et du silence pour traduire la solitude, parallèle entre l'objet œil et le fait de voir, enfin bravo quoi à ce niveau-là, etc. etc. Le film, dans son scénario, incompréhensible découpage en chapitres qui fait passer l'intrigue pour un manifeste universitaire, comme dans sa mise en scène, à ne que m'as-tu vu, n'aboutit nulle part. Franchement pathétique et forcément décevant, The Eyes of My Mother est, à défaut d'être un film d'épouvante, un film épouvantable. Vu le Blair Witch d'Adam Wingard, mauvaise pioche là encore, cette promesse d'un remake déguisé en suite accumule les mauvais choix de scénario. Malgré une mise en scène limpide, un exploit vu le dispositif, le spectateur se retrouve coincé par un twist mercantile, twist qui, d'ailleurs, élimine discrètement le prétexte original d'une vraie suite, en supprimant purement et simplement la présence des protagonistes du premier film. Libéré donc de cette notion même de séquelle, pour n'aboutir qu'à une logique de franchise, Blair Witch version 2016 a la saveur pathétique des reboots qui parfument le cinéma contemporain. Face à des acteurs et à des dialogues navrants de nullité, on s'attachera à quelques rares bonnes idées. Film de commande inutile, peut-être pas, mais gravement insuffisant pour y trouver un quelconque intérêt.